Et yop tout le monde, c'est Coco, j'espère que vous allez bien, et si ça n'est pas le cas, j'espère pouvoir changer cela durant cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le test de l'Upermage. Donc vous allez avoir la présentation du gameplay de A à Z, quelques petites stratégies, quelques combos, mon avis sur la classe bien sûr. Et ensuite, à la fin de la vidéo, vous aurez un lien vers une grosse vidéo qui vous présentera tous les modes. Vous voyez, hop là, là je vais tester le mode multi simplement, mais qui testera tous les modes de l'Upermage, donc le full feu, le full terre, le full eau, le full air, mais aussi les biléments, c'est-à-dire le air terre, le terre eau, le eau air, le air feu, le... qu'est-ce qui me manque? Bref, il en manque deux. Celui qui pousse, c'est le R-Terre. Et celui qui attire, c'est le O quelque chose. C'est le O-Feu, je crois. O-Feu, voilà, c'est ça. Donc, je vais vous présenter donc, les avantages de chacun et les inconvénients avec des stuffs différents. Enfin, tout ça, vous verrez ça dans l'autre vidéo si vous voulez. En tout cas, on attaque directement dans le vif du sujet. Donc, je suis en Strigé de Glourson. Un truc très basique qui me permet d'avoir environ 350 dans chacun des stats et qui me permet d'avoir 420 de puissance, donc avec des dommages critiques, des dommages fixes, enfin tout ça, tout ça. Un truc assez stable. J'ai monté tous les sorts niveau 6, y compris le sort de classe, et j'ai ma petite yopette Emberzaker qui est placée en mode pouch, car le pouch est difficilement accessible sur la bêta, étant donné que tout le monde veut tester la classe. Donc voilà. Bon, j'ai un pouch de 3700 de vita, mais comme vous pouvez voir, il n'y a pas de res. Il n'y a pas de res, donc je vais taper exactement de la même manière. Donc, on va regarder les sorts un par un. Donc, on va avoir par élément un sort qui va nous coûter 3 PA et qui va pouvoir être lancé deux fois par tour. Donc, pour le sort terre, nous avons Ontellurie, qui se lance en ligne. Hop là, avec une portée modifiable et qui, avec les stats que j'ai, fait du 260 en non crit et du 377 en coup critique, ce qui n'est pas mal. Ensuite, pour le feu, nous avons lance-flamme qui coûte 3 PA, qui peut donc se lancer deux fois par tour également. Hop là, donc je sais pas si je dis, mais portée modifiable du coup, qui va taper du 337, donc vous voyez les dégâts sont assez similaires. Voilà, bon en fait ils sont même carrément similaires. Bref, ça tourne autour du 350. Ensuite nous allons avoir Ether, donc qui n'est pas portée modifiable mais qui n'a pas, enfin qui nécessite pas de ligne de vue. Donc 1 à 4, 3 PA qui peut être lancé deux fois par tour également. Vous voyez, hop, et je peux le relancer par exemple. Donc ensuite nous avons Stalagmite, donc qui ne nécessite pas de ligne de vue, mais qui est à 1 PO. bon voilà, je comprends pas non, pourquoi ils disent que ça nécessite pas ligne de vue, sûrement peut-être parce qu'un item de classe permet d'augmenter la PO de ce sort. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé, je dois avouer. Donc voilà, donc ça fait un sort chacun qui coûte 3 PA qui peut se lancer deux fois par tour. Ensuite nous avons un sort qui peut se lancer qu'une fois par tour, mais qui est un peu plus fort et qui va coûter 4 PA. Donc pour les sortir nous avons météor percutant. Donc vous voyez ça tape déjà un petit peu plus fort là. Donc c'est du 4 PA quand même. La PO est modifiable, ça c'est cool, mais ne peut pas être lancée au corps à corps. Voilà, donc du 452. Déflagration pour les sorts feu, donc ne nécessite pas de ligne de vue, mais pas PO modifiable. Donc on est exactement comme Ether. Et vous voyez, ça tape pas mal, hein, 470. Ensuite, nous avons... autant pour moi... Voilà, voilà. Ensuite, pour les sorts O, nous avons un lancer en ligne de vue uniquement PO non modifiable de 1 à 5. Donc, c'est éclat glacé qui tape un tout petit peu plus fort que les autres. Alors, je m'en rends compte, en fait, maintenant que je le vois dans la vidéo que vous allez voir après, j'en ai déduit que les sorts feu tapaient le plus, mais visiblement, c'est les sorts eau qui tapent le plus fort, en fait. En voyant ça à plat, avec des stats quasi égales, bon, normalement, je devrais taper un tout petit peu plus fort en terre, mais voilà, avec des stats quasi égales, je me rends compte que c'est les sorts eau qui tapent un tout petit peu plus fort. Mais vous verrez dans la présentation que je fais du stuff haut que c'est quasiment injouable en mono, hein. Enfin, à mon avis. Après, vous verrez ça de vous-même si vous regardez la vidéo suivante. Donc, les sorts R, c'est le seul
qui coûte 3 PA parmi les sorts qui se relancent tous les tours. Donc par exemple, vous voyez, je vais le lancer. Hop, je peux le lancer. Je peux le lancer qu'une fois par. Ah non, autant pour moi. C'est moi qui dis des bêtises. J'ai inversé mes sorts. Le coquin. J'ai inversé mes sorts. Hop là. Donc, on redit donc. Lançable une fois par tour et coûte 4 PA. Pour le terre, météore percutant. Déflagration pour le feu. Éclat glacé pour eau. Et lame astrale. Donc pour R, les sorts R. Donc moi j'aime beaucoup le mode R, hein. Ça tape pas mal, ça tabasse. Vous voyez 480, c'est pas mal du tout. Ensuite, nous avons un sort qui ne se lance que une fois tous les deux tours, mais qui coûte 3 PA. Et qui fait du vol de vie. Alors ça c'est ultra cool, c'est-à-dire que imaginons vous jouez en 12 PA, vous avez perdu masse de vie. On peut pas vraiment dire que ça fasse masse de vie ça, mais bon. Allez, on va essayer de faire en sorte que je perde quand même pas mal de vie. Voilà. Hop, bon, j'ai perdu quand même pas mal de vie. Oh, il est sérieux celui-là? Putain, il me tacle. Avec un save de merde, je me fais tacler, je le crois pas. Par mon propre perso, c'est un scandale. Hop là. Ouais, ça, c'est à cause du... C'est à cause du voyageur, ça. Donc, voilà. Vous voyez, j'ai quand même perdu pas mal de vie. Et donc, dans un tour, ce que je vais faire, c'est que je vais me soigner. Donc, pour les sorts terre, donc, hop, 3 PA. Vous voyez? Donc, je vais taper. Je vais me faire soigner. 3 PA est lançable que tous les deux tours. Ensuite, on a très ardent pour le feu, qui est une espèce d'épée du destin, mais agrandie de une case. On a rafale transperçante pour les sorts R. Alors moi j'adore la zone, c'est assez fun, c'est que en diagonale mais c'est assez utile, voilà. Et ah bon, je peux pas vous montrer, mais pour le sort O on a glacier, donc c'est une espèce de foudroiement, voilà, qui va se lancer autour. Bon, vous voyez, j'ai quand même pas mal régène. Si je récupère à peu près 250 à chaque fois, je peux me régénérer du 1000 en un tour. Bon, tous les deux tours, mais c'est quand même pas mal, je trouve. Donc voilà, donc là j'ai présenté les trois sorts de chaque élément. En plus de ces trois sorts, vous allez avoir drain élémentaire qui va vous permettre de faire du 31 à 40 et de voler 200 de stats dans l'élément dans lequel l'adversaire est. Donc là par exemple je tape terre, vous voyez ça pose, ah dégage, ça va poser l'élémentaire terre sur la cible. Donc si jamais je mets drain élémentaire, ça va taper terre. Voilà, et ça va voler, vous voyez, 230, bon parce que j'ai cessé, mais 230 en force. À côté de ça, si jamais je tape feu, par exemple, hop, ça pose l'élémentaire feu, je sais pas pourquoi ça bug là ce truc, mais bref, il est là derrière, vous le voyez un peu, et donc si je fais drain élémentaire, ça va taper feu, et ça va voler pendant 2 tours, 230 en intel, voilà. Ce qui fait que du coup, quand je regarde, j'ai les deux stats qui ont été volés. Et donc du coup, ben, lui, il les a perdus. Voilà. Donc pas mal intéressant. Donc maintenant qu'on a fini avec la partie... non, j'ai oublié de préciser. Le dernier sort qui va taper, c'est runification. Donc en fait, c'est une fois que vous avez posé des runes sur quelqu'un... par exemple, il y a une rune sur le sol, si vous la déclenchez, ça fera des dégâts. Voilà, par exemple, là, il était sur une rune feu, donc j'ai déclenché la rune feu, ça m'a donné 50 en intel, et ça lui a fait des dégâts. Voilà. Donc, vous savez à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur les sorts. Maintenant, on va passer au combo. Donc, défi, oui. Et ensuite, on va regarder aussi un peu les sorts utilitaires, hein, bien sûr. Donc, je vais afficher à l'écran ce qui se passe. Donc, si vous faites terre, que vous posez l'élémentaire terre sur une cible et que vous tapez feu ensuite, les dégâts pendant un tour vont être augmentés de 20%. D'accord ? Ensuite, si vous tapez feu, bon, si vous tapez, si vous retapez, enfin, ça met l'élément feu, mais si vous retapez terre, ça fait exactement pareil. L'un, dans un sens ou l'autre, ça fait la même chose. Mais donc, si vous tapez feu, et qu'ensuite, vous décidez par exemple de taper eau, imaginons.
Ah, décidément. Vous tapez haut, ça va attirer. Hop là, vous voyez ? Ensuite, si vous tapez terre et qu'ensuite vous tapez R, ça va repousser. Bon, ça marche aussi dans l'autre sens, hein, R et terre, d'accord ? Donc au feu attire, terre R repousse, terre feu fait des dommages en plus. Ouais, c'est ça. Donc terre feu fait des dommages en plus. R O, donc R O va diminuer les dégâts de la cible. Donc regarde, regardez, réduit les dommages finaux occasionnés de 20%. Donc ça veut dire que les dégâts occasionnés vont être réduits au final de 20% sur l'adversaire. Donc c'est plutôt utile. Ensuite, il y a les zones, enfin les combos de retrait. Donc air feu va retirer des PA. Donc des PA esquivables, malheureusement. Donc je vais vous montrer. Air et feu. Hop, ça va retirer des PA. Oh, moins 2. De la chance. De la chance. Et donc pour finir, le terre haut. Terre. Et on va dire, hop là, O, va retirer des PM. Bon, pas de bol, il est mort. Et ça va retirer des PM. Donc, c'est esquivable à chaque fois, donc... bon, vous verrez ça quand je présenterai les stuff un par un. Hop. Et ensuite, on va montrer les sorts utilitaires. Donc, les sorts utilitaires. Donc, nous avons donc runification, polarisation, propagation, bouclier élémentaire, traitement runique... Et traverser. Alors, traverser, c'est tout bête. Ça va taper... c'est une téléportation, voilà. Et ça va taper sur toute la zone, vous voyez ? Ça va taper sur toute la zone. Et ça va taper dans l'élément qui est posé. Par exemple, hop là, j'ai mis feu. Hop là, ça va taper feu. Et ça retire des PM. Donc, pas mal. C'est pas mal du tout, moi j'aime beaucoup. Ensuite, vous voyez, par exemple, là, il est en élément feu. Donc, je vous l'ai montré un peu tout à l'heure. Si jamais je fais runification alors qu'il est sur sa petite case, ce qui va se passer, c'est que ça va le taper. Donc, par exemple, vous voyez, j'active. Tac, ça le tape. D'accord ? Ça le tape, pourquoi ? Parce que j'ai activé la rune et vu qu'il était encore dessus, et ben ça lui a fait des dégâts et ça m'a boosté. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si jamais je le pousse ou alors lui il bouge ? Et bien, en faisant runification, ça va invoquer une petite bouboule, voilà. Petite bouboule qui est invulnérable, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être tuée par des poisons, par des dopou, par des dommages indirects. Et il va falloir que vous la tapiez pour qu'elle fasse un effet. Donc je vais revenir sur unification. Si la glyphe par terre, donc c'est une eau, vous allez invoquer une bouboule eau. Si c'est terre, vous allez invoquer une bouboule terre. Et ainsi de suite. Bon, ça s'appelle des manifestations, hein, mais moi j'appelle ça des bouboules parce que je trouve ça fun. Et en fonction de la bouboule, ça va faire un effet différent. Donc là, j'ai invoqué une bouboule feu. Vous lisez la ligne où il y a la bouboule feu. Si je vais la taper, je vais échanger ma position avec elle. Donc, qu'est-ce qui se passe si je la tape ? Ah, allez, laisse-moi jouer. Donc, qu'est-ce qui se passe si je la tape ? Paf ! J'échange ma position avec elle. D'accord ? Donc ça, c'est pas mal. Par exemple, on va poser... le R. Voilà, le R. Et ensuite, on va demander... hop là, ma yopette de bouger. Donc, on va voir... on va faire runification. Donc, on invoque la petite bouboule. Et là, on va voir runification. Qu'est-ce que ça fait ? Donc, R téléporte l'attaquant symétriquement par rapport à l'invocation. Donc, 4P au maximum. Ok. Moi, je le fais. Tac ! Et voilà, ça m'a téléporté symétriquement. Bon, il y avait ma yopette, je l'ai fait exprès. Donc, du coup, ça a fait un téléfrag. Voilà, voilà. Donc, vous pouvez lire les autres. Donc, si c'était une O, ça aurait attiré toutes les entités qui se trouvent à 4 PO, donc au corps à corps. Si c'était une Terre, ça aurait repoussé jusqu'à 4 PO. Donc, c'est jusqu'à 4 PO, hein, c'est-à-dire que si vous êtes à 3 de PO, ça va vous pousser de 1. Si vous êtes au corps à corps, ça va vous pousser de 3. Et ainsi de suite. En fait, où que vous soyez autour de la Terre,
de la bouboule terre, ça va vous pousser jusqu'à la quatrième case. Voilà. Ensuite, vous avez le sort polarité qui permet d'activer exactement les mêmes effets, mais directement sur la cible. D'accord ? Donc je vais vous montrer. Tout à l'heure, vous avez vu, avec la petite bouboule feu, je me téléportais symétriquement parce qu'elle était, elle était dans l'élément feu. D'accord ? Maintenant, je vais faire polarité. Donc polarité, en gros, c'est un petit peu comme si vous tapiez la rune, enfin la bouboule, c'est exactement pareil, sauf que ça le fait à la place sur un ennemi. Vous voyez ? Hop là, voilà. Je me retrouve échangé de place. Si jamais je le fais avec le R, hop. Tac, et voilà. Vous pouvez faire polarité deux fois par tour, vous voyez. Si vous vous téléportez symétriquement, il y a moyen que vous alliez vachement loin. Donc, c'est exactement les mêmes effets, d'accord, que pour unification, sauf que c'est pas le même principe de jeu. Ensuite, vous avez propagation, qui va être très utile. Si vous le placez sur un ennemi... tous les ennemis qui se trouvent à 2 de PO, donc ça, voilà, qui se trouvent à 2 de PO de lui, je vais vous montrer, ce sera plus simple comme ça. Je vais vous montrer la zone. Voilà. Toutes les personnes qui se trouveront dans cette zone-là vont avoir le même élément que lui. Par exemple, là, je le tape R, donc il a l'élémentaire R. Donc, ça veut dire que si je fais propagation, bon, là, ça va rien faire, mais toutes les personnes qui se trouvaient dans cette zone ont l'élément R également. Voilà, donc ça permet de faire des zones et c'est assez sympa. Parce que par exemple, si je me mets là, et que je fais glacier, hop, toutes les personnes qui étaient en élément R vont avoir leur dommage réduit de 20%. Voilà. Donc ensuite, nous avons le bouclier élémentaire. Donc bouclier élémentaire très intéressant, puisqu'il va poser 25% de résistance dans tous les éléments instantanément. Donc vous voyez là mes résistances. Et là, vous voyez mes résistances. Donc... instantanément pendant 2 tours, et en fait, chaque fois que quelqu'un va vous taper dans un élément, ça va vous faire descendre de 5% dans l'élément en question. Je m'explique et j'illustre. Donc vous voyez, j'ai 45% de résistance, je donne un coup avec une pression, je descends à 40, je remets une pression, je descends à 35, et ainsi de suite, sachant qu'on ne peut pas descendre en dessous des pourcentages de résistance que l'on avait avant de faire le sort. C'est-à-dire que moi j'avais quelque chose genre 20%, et bien même si je bourrine comme un sac avec ma yopette, je pourrais jamais descendre en dessous de 20%. Voilà. Autre chose à savoir sur ce bouclier, quand on tape dans un élément la personne qui possède le bouclier, ça va poser sur la personne qui tape l'élément dont il tape. Bon, je sais pas si c'est hyper clair, mais voyez, j'ai fait une pression, c'est terre, ça a posé l'élément terre sur ma yopette, et du coup, elle a l'élément terre, et du coup, si je veux, par exemple, je peux taper R, pouf, ça va pousser. Voilà. Donc, y a ça. Et ensuite, par exemple, il y a traitement runique. Donc, par exemple, là, vous voyez, il y a une rune qui est posée par terre. Si j'avais un allié, hop, comme ce petit Doppel, par exemple, que je vais vous montrer après, et qu'il avait perdu de la vie, imaginons, donc on va... je peux pas vous montrer là, parce que je peux pas le taper et ensuite le faire, mais... bref, ça l'aurait soigné de 4% de sa vitalité, et vous pouvez faire sur 2 personnes dans un même tour. Voilà, donc c'était à peu près tout. Ensuite, vous avez le sort empreinte, mais franchement, je vois pas l'utilité qu'il a. Ouais. Je vois pas trop son utilité en fait, enfin je vais vous expliquer quand même ce qu'il fait. Donc hop là. En fait, selon le nombre de personnes qui ont un élément, bon ça marche en groupe hein, principalement. Mais ça va poser une rune pour chaque ennemi qui est dans un état élémentaire. Je vais vous montrer. Ah ouais mais ça marche pas. Bref, imaginons il y a un état élémentaire. Par exemple, ma yopette avait bougé et se retrouve ici. Eh bien, elle a l'élément feu, mais vu que l'élément feu, je l'ai tapé, il s'est posé ici. Ici, on est d'accord qu'elle a toujours l'élément, mais elle est plus sur la glyphe. Eh bien, en faisant empreinte, elle se retrouvera à nouveau sur une glyphe. Je vais vous montrer ça vite fait en même temps que le Doppel. Hop là. On va se placer là. Là. Ok. Donc, on va taper terre. Ensuite, on va taper R, donc ça va le pousser. Et là, vous voyez, si je retape...
Si je retape... Ouais, c'est pas un très bon exemple. C'est pas un très bon exemple. Bon, par exemple, voilà, on va poser élémentaire, on va faire bouger Mayopet, tout simplement. Voilà. Donc, vous voyez, elle a l'élémentaire, mais elle est plus sur sa case. Si je fais empreinte, hop, je crée une nouvelle case. Voilà. Hop. Et là, je vais vous montrer un petit peu. Donc là, j'ai fait réunification. Donc ça a posé des petites bouboules pour ceux qui, enfin pour les glyphes où il n'y avait personne dessus, et pour les glyphes où il y avait quelqu'un, ça a tapé. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Donc hop, on passe symétriquement. Si je tape la terre, ça nous repousse. Voilà. Donc tout ça, je vous l'ai expliqué. On va abandonner le combat et on va passer sur la dernière phase, c'est-à-dire la phase où je vous montre un petit peu des combos intéressants. Alors, un combo très intéressant que j'ai trouvé, c'est un combo à la fois offensif et défensif. J'adore le faire, très franchement. Alors, il faut 12 PA, malheureusement. Donc, c'est un combo qui va faire donc du vol de vie. Donc, vous allez faire, hop, orage. Donc, peu importe l'ordre, hein, ça peut être feu-terre ou terre-feu, mais commencez par terre-feu. Donc, vous tapez, hop. Voilà, donc à partir de là, vos dommages pour un tour vont être, enfin pour ce personnage là, enfin pour l'adversaire, pendant un tour, les dommages vont être augmentés de 20%, d'accord ? Hop là, vont être augmentés de 20%, et ensuite vous faites cela, tac, et donc là vous avez fait un gros tour assez sympathique. Où vous avez fait 450, 500, donc 950, 1400, 1850. Donc vous avez fait du 1850, bon sur 0% certes, en full vol de vie. Donc ça veut dire que vous êtes régénéré du 900. Et en plus, ce que vous avez fait, c'est que pour tout le tour, bon là c'est pas utile, mais si vous avez une team par exemple, pour tout le tour, vos personnages vont taper 20% de plus sur cet adversaire, et cet adversaire va taper 20% de moins. Voilà, donc ça c'est un combo très intéressant que j'adore, enfin que je pense que je vais adorer faire. Ensuite il y a d'autres combos assez sympas à faire. Alors on va se donner les relances comme ça. Donc par exemple c'est faire un petit sort de frappe, ensuite voler des stats. Voilà, ensuite réunification pour voler encore plus de stats. Et ensuite faire un gros sort qui fait bien mal. Bon, là c'est pas très rentable, mais si vous êtes full élément par exemple, vous voyez, paf. Si vous étiez full élément par exemple, vous voyez, j'ai volé 50 et 200, donc je suis à plus 250 d'intel. Si j'étais full intel, bon, je ferais bien mal. Donc voilà, c'est un petit truc assez sympathique. Surtout que pour peu que vous soyez un peu loin, en plus vous pouvez finir votre tour par quelque chose d'assez sympa, voilà. Et bien voilà, moi je pense qu'on a fait le tour de l'Hyper Mage. J'espère que ça vous aura renseigné. Hop, on va finir à l'ancienne. Hop là, allez, à l'ancienne, Valencienne. Voilà, voilà. Donc j'ai vu tous les sorts, j'ai vu toutes les combinaisons, je vous les mettrai à l'écran évidemment. J'espère que vous avez bien compris tout le principe de l'hypermage. Ah, je vous ai pas montré le Doppel évidemment, puisque le Doppel est très intéressant même en PVM, puisqu'il va poser des élémentaires. Et je pense qu'on va se laisser là-dessus. Donc voilà le Doppel, on va le laisser taper. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller regarder mon autre vidéo qui va détailler vraiment toutes les possibilités de stuff. Voilà, je vais faire vraiment du cas par cas, comme ça vous pourrez vous identifier dans chacun des éléments et vous dire, tiens, moi c'est un gameplay que j'aimerais bien avoir ou pas. Est-ce que les dégâts vous satisfont ou pas? Parce que chaque élément est un peu différent, même si au niveau de dégâts ils sont plus ou moins proches, les dégâts divergent au niveau des synergies des éléments. Donc voilà, je vous laisse le choix de voir. Moi je vous laisse regarder un petit peu le Doppel qui fait des dégâts assez sympas, je trouve. Et en attendant, eh bien, portez-vous bien, prenez soin de vous, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et puis, ciao, ciao !